Père éternel, je te remercie parce que tu permets que nous vivions aujourd'hui un des plus beaux moments dans une communauté. Notre église du Salève est heureuse aujourd'hui parce que, voilà, eh bien, Sophia et Alissa ont décidé de s'engager dans les eaux du baptême. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous réconcilies et tu veux être réconcilié avec nous. Et ce geste-là, c'est pour moi et pour nous tous le signe de cette réconciliation, le signe de cet engagement ferme, serein et solide avec toi. Merci de nous aider à être tous d'un seul cœur avec Jésus-Christ pour pouvoir nous aussi être dans la joie de ce moment, comme le seront tout à l'heure tout le ciel, toutes les puissances célestes et tous les anges, qu'on puisse être avec eux dans la joie afin de pouvoir accueillir Alicia, Alissa et Sophia. Au nom de Jésus, amen. Bonjour à tous. Je vous souhaite une bienvenue et vraiment de vous sentir à l'aise parmi nous. On va passer un moment de louange maintenant ensemble et je vous invite à vous lever pour acclamer la présence de Jésus parmi nous. Je vous invite à chanter car Dieu est là. N'hésitez pas à taper des mains. Chante de tout notre cœur. On y va ? Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons bientôt de reconnaissance un palais de gloire. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire est sur dans son corps ici-bas.
continue avec le chant suivant. Étends sur moi. C'est un chant qui parle de confiance, que même quand tout va mal, Dieu est quand même là. Même quand les choses se déchaînent, il est là et nous pouvons compter sur lui. Qu'ont fait Sophia et Alissa aujourd'hui, c'est de vraiment donner sa vie à Dieu et de le vouloir de tout notre cœur et vraiment de lui donner entière confiance et toute sa place. Je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois-tu peu que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta voix, les pensées.
puissance. Donne tout. Prends mon âme, prends ma vie. Je te donne mon cœur.
Bonjour à tous et à tous. En tout cas, soyez les bienvenus à cette cérémonie de baptême. Si Dieu nous a mis là, c'est que c'est parce qu'il veut qu'on soit témoin des engagements de Sophia et de Alissa. Est-ce que vous connaissez les deux filles qui vont s'engager? Je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez une partie de leur vie. Vous êtes soit des amis, soit de la famille, soit vous faites partie de la famille, soit vous ne les connaissez pas du tout. Alors, pour commencer, on m'a chargé de présenter la toute dernière de la famille, qui est Alissa, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? En fait, je vais vous parler un petit peu de son parcours. Enfin, depuis sa naissance jusqu'à son engagement d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à regarder ce qu'on va vous mettre ici. Voilà. Excusez-moi pour ce petit incident. En fait, je ne sais pas si mon frère est au courant qu'il doit présenter sa petite sœur. Si tu peux venir devant, s'il te plaît. Merci. Bonjour à tous. Il fait chaud, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai chaud parce que je n'ai pas prévu grand-chose. Alors, voilà. Si je me présente devant vous là aujourd'hui, c'est parce que ma sœur m'a demandé gentiment. C'est pas du genre « Je peux te demander quelque chose, s'il te plaît ?» ou du genre « Tu peux me rendre un petit service ?» En général, quand on vous dit, quand on vous demande quelque chose, vous demandez systématiquement c'est quoi, ou ça dépend pourquoi. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir à la réponse, si vous allez dire oui ou non, ou chercher une excuse bidon. Mais ce jour-là, ça s'est passé il y a un mois en arrière. Elle me disait, c'était ferme, c'était pour mon baptême, tu vas me présenter. J'ai dit c'est cool. Moi, sachant très bien que parler devant un monde comme ça, j'ai jamais eu l'habitude. Je crois que toute ma vie, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et croyez-moi, ça me fait plus bizarre la deuxième fois que la première fois. Alors, voilà. Où en étais-je?
Alors voilà, elle m'a demandé, il faut que je la présente. J'ai dit cool. Et je voulais m'esquiver, hein, au départ, je m'esquivais en disant je n'aurai jamais le temps, je bosse dur, l'excuse facile, hein, ou j'ai encore une femme et deux enfants à nourrir, tout le monde fait ça. Hein. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, qu'elle m'a rajouté une couche derrière en disant et sérieusement, c'est possible. En sachant très bien que le mot sérieux ne fait pas vraiment partie de ma nature, alors j'ai dit là j'ai dit. C'est pas cool. Alors voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? La semaine dernière encore, elle m'a posé la question qui tue. Tsitsé, as-tu préparé quelque chose pour moi? Là, je dis, là, ça a l'air vraiment sérieux cette histoire quand même. Et du coup, j'ai commencé à flipper. Et en général, quand on n'a pas d'idée, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le net. Ah, il y en a qui est comme moi, je crois, qui cherche des solutions faciles. Et j'ai dit, un baptême, c'est sérieux. Donc, je cherchais un site assez sérieux. J'ai dit, un site sérieux, c'est Wikipédia. Alors, sur Wikipédia, j'ai tapé Sophia. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais vous lire la liste. Sophia est un prénom. Suivant. Sophia est également une banque de programmes produits par Radio France à destination de plusieurs radios françaises. Et c'est pas tout, il y en a une en dessous, c'est marqué. Sophia est un groupe de rock japonais formé en 94. Et un peu plus bas, c'est marqué. Sophia est un nom latin et grec ancien qui signifie sagesse, habile. Je dirais, je commence à m'approcher. Et c'est marqué en bas, voir sophisme. Sophisme, c'est un mot que je connais pas du tout. Alors j'ai cherché la définition. C'est marqué, c'est un raisonnement qui cherche à apparaître comme rigoureux, mais qui est en réalité n'est pas valide au sens de la logique, voire sophiste. J'ai dit, oula, c'est pas du tout pour moi ça. Alors du coup, j'ai réfléchi, j'ai dit si. Si ma tête ne veut pas travailler, je vais laisser parler mon cœur. Alors voilà ce que j'ai trouvé, Sophia, pour toi. Est-ce comme sensible? Est-ce comme sincère? Est-ce comme smile? T'es tout le temps souriante. Oh, comme ouverte, ouverte d'esprit. Oh, comme ordonnée, parce que Sophia, sa chambre, elle est tout le temps bien arrangée. Paix comme protectrice. Paix comme prudente. H comme humaine, parce qu'elle est très très humaine. I comme impliquée, parce que quand elle fait quelque chose, elle s'implique vraiment. Et A comme affectueuse, attentionnée. Voilà. Tu auras bientôt 20 ans. Tu présentes la jeunesse. La jeunesse, c'est ce que j'ai trouvé. C'est la période de grands choix de la vie. Crois-moi, je suis passé par là, j'ai pas toujours fait le bon choix. Mais voilà. T'as 20 ans, je pense qu'il y en a pas mal qui veulent avoir ton âge ici parmi nous. Là. Et voilà, si je peux te donner un conseil, de ma part, en tant qu'un grand frère, c'est écouter la musique à plein tube, augmenter le volume, tu te sentiras bien. Mais la Bible ne dit pas ça, la Bible elle dit... C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux de me présenter devant vous afin de partager le message. Nous tenterons ensemble de comprendre ce que la Bible nous dit concrètement
au niveau du baptême. Avant toute chose, je souhaite vous transmettre les salutations de James et Ginette Ranivo Arisaka, ainsi que Dina, ma grande sœur, et mes parents, particulièrement pour vous, Sophia et Alissa. Vous avez leur bénédiction et leurs félicitations d'avance. Eh bien, remercions aussi pasteur Daniel Ranisavlevitch de son accueil, ainsi que le premier ancien Hubert Andriana Solo, qui nous ont la gentillesse de nous accueillir dans cet établissement, cette grande église. Donc, merci. Le baptême. Le baptême est un symbole. Dans la Bible, de nombreux symboles y sont décrits, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La Bible est scindée en deux parties. Je souhaite particulièrement aussi m'adresser à ceux et celles, amis de Sophia et Alissa, qui viennent peut-être pour la première fois dans l'église adventiste du septième jour, ou peut-être même qui mettent les pieds pour la première fois dans une église. Je leur souhaite une chaleureuse bienvenue. Et donc, le baptême est un symbole. Lorsque nous prenons la Bible, nous l'ouvrons dans le deuxième testament. Je l'ouvre dans la première lettre aux Corinthiens. Et nous pouvons y voir dans le chapitre 13, au verset 12, ceci. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Frères et sœurs, la signification de cela est pour nous dire que le baptême est un symbole. Les symboles bibliques, ils sont dépeints dans la Bible pour nous donner une idée, tel un reflet, une idée de ce qu'est le concept divin. Ainsi, le Christ nous a donné, dans la Bible, des démarches, des rituels, si nous pouvions nous exprimer ainsi, des rituels à suivre pour que nous comprenions un peu plus ce que sont ces rituels concernant les concepts divins. Alissa et Sophia ont choisi le baptême aujourd'hui. Jour heureux, jour de joie. Alors c'est sur le baptême que nous allons nous focaliser. Et pour commencer, ce baptême est un symbole de quoi ? Le baptême est tout simplement une renaissance. Nous parlons ici de renaissance. Sophia et Alissa vont d'ici quelques instants être immergées dans l'eau. Nous appelons cela le baptême par immersion. Et c'est ici que Sophia et Alissa vont être immergées dans cette eau. Je vous rassure, frères et sœurs, cette eau n'est pas magique. Il ne s'agit pas là d'une renaissance où Sophia et Alissa reviendront à l'état de bébé, bien évidemment. Donc, il s'agit bien là d'un symbole. Et cette renaissance, cette signification de renaissance, derrière se cache la repentance, derrière se cache un abandon de quelque chose. Un nettoyage, il est facile de comprendre que l'eau est bien évidemment un moyen de nettoyage. C'est alors que le Christ, Dieu, nous donne ce symbole dans la Bible. Nous pouvons comprendre cela aussi par le mot repentance. Repentance car la repentance signifie une remise à niveau, une démarche où l'on refait marche arrière, une remise de compteur à zéro. Mais quel est donc l'objet de ce nettoyage? Quel est donc l'objet de cette renaissance? Frères et sœurs, la Bible nous l'enseigne, encore une fois, il s'agit là du péché. Frères et sœurs, Alissa, Sophia et Alissa ont décidé de démontrer concrètement le nettoyage du péché. C'est aussi simple que cela, et la Bible nous le montre clairement. Le péché, qu'est-ce que le péché? Eh bien, si nous regardons aux origines, nous venons maintenant dans le premier testament biblique, premier livre, la Genèse. Nous voyons l'origine du monde, l'origine de l'homme. L'homme a été créé par la main de Dieu. Il a eu ensuite le choix, suivre Dieu, suivre la perdition. Malheureusement, l'homme a choisi la perdition. Et cette perdition, c'est le péché. Cette perdition est instrumentalisée par Satan. Satan qui veut dire l'adversaire en français. Car oui, effectivement, nous avons la présence du mal dans ce monde et nous le voyons bien évidemment à la télévision, dans les journaux, dans les informations. Il œuvre. Et malheureusement, si je prends la Bible, prenons la Bible cette fois-ci dans l'Épître aux Romains, écrite par l'apôtre Paul. Nous prenons le chapitre 6, au verset 23, et nous lisons, peut-être parce qu'il est intéressant aussi de le mentionner en ces temps de crise économique et de récession,
car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà les conséquences du péché. Ce qui signifie donc, frères et sœurs, que nous sommes ici tous pécheurs. Alissa et Sophia témoignent de cette nature, pécheresse et désespérée, car oui, malheureusement, un jour ou l'autre, nous sommes tous voués à la mort, frères et sœurs. Mais, maintenant nous entrons dans le vif du sujet, il y a cet espoir divin que la Bible toujours nous enseigne. Et lorsque je lis un peu plus bas, toujours dans le même verset, la Bible nous dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jésus-Christ, avez-vous déjà entendu parler de ce Jésus-Christ ? Jésus-Christ, c'est un mot grec qui signifie « le Sauveur ». Nous avons aussi dans l'Ancien Testament des allusions au nom du Christ. Nous parlons ainsi d'Osée, de Josué, qui signifie très précisément Jésus-Christ, le Sauveur. Et je salue d'ailleurs notre Josué, notre Osée, qui sont dans notre assemblée, et qui peuvent porter donc leur prénom très fièrement. Et donc, nous voyons ici que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, qu'a-t-il fait ? Quelle est cette relation entre le baptême et Jésus-Christ ? Car oui, tous les symboles bibliques ont pour réponse Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous pouvons voir, Jésus-Christ est venu sur terre. Et nous pouvons lire dans la lettre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, il s'agit là du premier livre du Nouveau Testament. Nous lisons dans le chapitre 1er. Au verset 21, ainsi vous connaissez tous l'histoire de Marie, qui a eu cette visite de l'ange pour lui annoncer la venue du Christ, alors qu'elle allait l'enfanter. Ainsi, l'ange s'adresse aussi à son fiancé Joseph. Et voici, l'ange envoyé du Christ nous dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ah, voilà la bonne réponse. Voilà l'espoir. Nous avons vu qu'effectivement le salaire du péché c'est la mort, mais Jésus est venu pour nous sauver de cette mort. Et c'est ce que Sophia et Alissa sont venus témoigner aujourd'hui. Sont venus vous témoigner, nous témoigner, peut-être pour nous aussi qui avons déjà été baptisés. C'est un appel aussi pour nous remémorer cela. C'est un appel aussi pour reconsidérer la question et la situation actuelle. Jésus est allé plus loin. Non seulement est-il venu nous sauver de nos péchés, mais il l'a fait d'une certaine manière. La Bible nous enseigne que Jésus est mort. Il a été pendu à la croix, tué par l'homme. Et il fallait que Jésus-Christ meure de cette façon pour pouvoir sauver l'homme. Ainsi, ce concept est très simple à assimiler. Jésus-Christ est venu, s'est fait homme, s'est fait pauvre, s'est fait tuer, à notre place pour payer le salaire du péché qui est la mort. Ainsi donc, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et c'est ici le message clé du baptême. Sophia et Alissa vont témoigner de ce sauvetage éclair, ce sauvetage que nous appelons le plan du salut. Et ainsi donc, en faisant cela, petite parenthèse, il est important de noter que Jésus-Christ, en l'an 27, s'est fait également baptiser. Par immersion. Non, pas parce qu'il a eu besoin de se faire baptiser car le Christ était parfait, mais parce qu'en tant que maître, il nous donne tout simplement l'exemple. Sophia et Alissa vont tout simplement suivre l'exemple de leur maître. C'est aussi simple que cela, et c'est dans la joie que nous serons témoins de cet acte merveilleux. Eh bien, quand le Christ est mort, il mourut pendant 3 jours. Il mourut un vendredi, ressuscita un dimanche. Lors de sa résurrection, le Christ nous a dit, dans Matthieu, toujours le premier livre du Second Testament, nous lisons dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, « Jésus, s'étant approché leur parla, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Grâce à sa mort, le Christ a reçu tous les pouvoirs. Seul Christ a l'autorité sur notre cas, sur l'humanité tout entière. Christ est Christ seul. Et c'est ce que Sophia et Alissa témoignent aujourd'hui. Ils n'ont pour sauveur que le Christ. Ce que Jésus-Christ nous apprend aussi,
c'est qu'après son départ, il a fait quelque chose. Nous savons tous qu'il est mort, il est ressuscité et il est parti. Nous ne le voyons plus aujourd'hui. Mais que fait-il à présent ? Le baptême, par le baptême, les études bibliques, nous comprenons ainsi une grande promesse que Jésus-Christ nous fait. Nous pouvons le voir cette fois-ci dans la lettre de Jean, l'apôtre Jean qui a vécu avec le Christ pendant une certaine période, toujours dans le Nouveau Testament. Et nous lisons Jean chapitre 14, au verset 2. Jésus-Christ lui-même dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serais allé, Jésus-Christ est parti, et que j'aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que où je suis, vous y soyez aussi. » Frères et sœurs, le Christ est actuellement en train de préparer une place pour nous sauver. Sophia et Alissa nous témoignent de cela aujourd'hui. Elles l'ont comprise au niveau des études bibliques qu'elles ont suivies, selon leur formation, car elles ont suivi une formation biblique avant de faire ce choix de nous témoigner de cet acte. C'est par ce témoignage-là que nous pouvons avoir un espoir. Malgré la mort, malgré les guerres, nous le voyons, ce n'est pas la peine de faire la publicité de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, nous avons effectivement ce grand espoir. Ce grand espoir que le Christ, non seulement est en train de préparer une place pour chacun d'entre nous, qui le désire, car oui, frères et sœurs, le Christ ne force personne. Cependant, il nous donne l'opportunité d'être sauvés. Ainsi donc, il reviendra un jour pour nous prendre. Et c'est par le baptême que nous pouvons le comprendre, c'est par le baptême que nous pouvons le communiquer à autrui, c'est par le baptême que nous le témoignons, ni plus ni moins. Ceci est un gage, un engagement de la part de Sophia et Alissa aujourd'hui pour nous montrer qu'elles ont compris ce concept, qu'elles se préparent pour cet événement. Et puis, cela va encore un peu plus loin. Qu'est-ce que le Christ a dit juste avant de partir? Nous revenons dans Matthieu, au chapitre 28. Après qu'il ait dit qu'il n'avait toute autorité, nous pouvons voir les ordres de Jésus. Et j'appelle ici le titre de « Que se passe-t-il après le baptême ?» Car oui, Sophia et Alissa vont être immergées. Nous célébrerons cet événement. Nous festoirons ensemble. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, voilà ce que le Christ nous dit. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà ce que le Christ nous demande. Une fois que nous nous engageons, Christ nous demande de permettre à d'autres qui ne le savent pas. Car oui, ce grand espoir, qu'on le veuille ou non, est bien réel, frères et sœurs. Le Christ nous invite à venir auprès des autres, peu importe qui il est, peu importe d'où il vient. Ainsi, il nous appelle à aller dans toutes les nations. Avons-nous les possibilités de le faire? Je ne sais pas. Mais cela peut très bien s'étendre dans un domaine scolaire, universitaire, bien évidemment, à la maison, tout simplement. Alors, voilà ce qu'il faut garder en tête une fois. Et Sophia et Alissa, vous aurez l'occasion de les suivre, bien évidemment, après leur baptême. Je pense bien évidemment à la famille de Sophia et Alissa, leurs parents, Armand et Pâquerette. Je pense aussi à tout le reste de la famille, cousins, cousines, et enfin leurs amis. Et vous aurez l'occasion de regarder, d'observer tout au long de leur vie, suite à leur engagement, comment elles se débrouillent. Répondent-elles par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ à cet appel qui est de former des disciples? Car oui, le Christ revient bientôt. Et c'est aussi la mission que nous avons. Car cette mission est déterminante pour le retour du Christ. Si nous prenons dans le Second Testament, et que nous lisons la lettre de Pierre, nous prenons la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Voilà ce que dit le Seigneur, car il promet de revenir. La Bible nous le dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Non, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Christ attend simplement que chacun d'entre nous fasse leur choix, qu'ils viennent à Christ de manière gratuite. C'est une grâce, nous offrir la vie éternelle. Lorsque nous lisons Jean chapitre 11, verset 25, le Christ dit « Je suis la résurrection et la vie ». Lorsque nous lisons Jean chapitre 11, verset 25, Jean chapitre 10, verset 28, le Seigneur dit « Je leur donne la vie éternelle ». Christ est le centre. Et enfin, j'aimerais, pour les deux derniers points, car le temps avance, il nous reste 5 minutes, eh bien, j'insisterai sur la mission également de, je dirais, la vie post-baptismale de Sophia et d'Alissa. Elles feront aussi la promotion de leur église. Nous trouvons actuellement dans l'église. Et Sophia et Alissa s'engagent aussi à faire la promotion de leur église, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à vous montrer que l'église, premièrement, n'est pas un lieu de saints. L'église n'est pas un lieu où les personnes sont supérieures à ceux qui n'y vont pas. L'église est au contraire un lieu de pécheurs. Ce que j'avance là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Prenons le livre de Luc. Au chapitre 5, et les médecins qui sont dans cette salle, ou les médecins étudiants, comprendront très bien ce que le Christ signifie par là. Ainsi, nous prenons Luc chapitre 5 au verset 31 et nous lisons. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ainsi, nous continuons au verset 32. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Christ est venu appeler des pécheurs, mais à la repentance. Christ appelle le pécheur à laisser son péché de côté, et il dit « Viens, je te donne la vie éternelle. » C'est aussi simple que cela, ce n'est pas compliqué à comprendre, frères et sœurs. Et c'est une grâce, un don gratuit. Cela ne requiert aucun sou, cela ne requiert aucun billet. C'est un don, c'est cadeau. Et enfin, je conclurai par un dernier thème qui est le thème fondamental d'une vie de disciple de Christ en tant que baptisé. Et ceux qui le souhaitent aussi, bien évidemment, la Bible nous donne ce conseil à nous aussi et à vous aussi. Eh bien, lorsque nous prenons le livre de Jean, toujours bibliquement parlant, la Bible nous donne toutes les réponses à nos questions. Jean chapitre 13, le verset 34 et 35, voici ce que le Christ nous dit encore. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront, que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Sophia et Elissa, ce que Jésus-Christ nous recommande, c'est d'avoir en premier lieu de l'amour les uns pour les autres. C'est uniquement par ce biais-là que les autres verront que vous êtes ses disciples. Ce n'est pas, effectivement, en premier lieu, parce que je vais à l'église que je suis disciple de Christ. Ce n'est pas parce que je suis les lois de Dieu que je suis disciple de Christ. Non pas que ces aspects-là ne sont pas importants, au contraire, ils sont très importants. Cependant, la première chose que les autres voient, c'est l'amour que nous diffusons. C'est l'amour que nous donnons à notre prochain. Et la Bible, encore une fois, et ce sera le dernier verset, nous donne comme indice au niveau de ce que Jésus-Christ avance. Eh bien, prenons 1 Corinthiens au chapitre 13, et voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Message de Jésus-Christ. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, car oui, c'est par la foi que nous croyons en tout cela. » C'est par la foi que nous croyons que la Bible est véritable et juste. Donc, maintenant, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, que le Christ revient, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Chose qui prévaut dans le caractère d'un chrétien. C'est ainsi l'invitation du Christ, Sophia et Alissa, pour votre vie post-baptismale. Encouragez-vous les uns les autres, présentez Jésus-Christ à vos proches, à vos amis, et vos amis pourront constater votre vie de dédicace à notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est aussi, bien évidemment, mais nous aurons l'occasion d'en avoir un appel pour ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui souhaitent, bien évidemment, le connaître. Et je finirai par cette bénédiction. Que la paix et l'amour, avec la foi, nous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'elle. Faibles mots pour te dire quel Dieu.
Maintenant, c'est un moment que vous attendez tous, mais qui n'est pas le plus important. Quand on change de passeport, on est fier d'avoir une nouvelle nationalité. On est enfin reconnu dans son pays comme un citoyen de ce pays, et c'est génial. Vous qui êtes beaucoup de malgaches, vous en savez quelque chose. Quand on choisit de changer de nationalité et de devenir enfant du royaume, c'est aussi quelque chose. Le baptême dans cette eau n'a rien de magique, comme l'a dit André. L'eau n'est pas magique, on n'a pas rajouté un produit quelconque. Elles ne changeront pas de couleur. Ce qu'elles ont fait la semaine dernière, elles le feront la semaine suivante. Simplement, elles auront un nouveau passeport. Plusieurs d'entre vous l'ont vécu et vous savez de quoi je parle. Le moment qui va suivre, vous avez tous envie de le voir de près. Mais il n'y a pas beaucoup de place, alors on va donner priorité aux plus petits. Et si les enfants, vous voulez monter derrière, alors venez, on va demander à un pompier de monter aussi avec eux, parce que des fois que... Donc les enfants, venez, faites un grand cercle là derrière, vous verrez mieux. Et puis les adultes, vous avez envie de prendre des photos, mais laissez la place à l'image aussi, laissez parler votre cœur, vos émotions. Les photos, il y en a qui vont les prendre, et ils vous les prêteront, ils vous les vendront, je ne sais pas. Mais ne prenez pas d'images. Les images, gardez-les dans votre cœur, dans votre tête. Voilà, nous allons descendre dans l'eau avec Sophia, Alissa. Si vous voulez vous lever, vous serez mieux pour voir. Maintenant que les enfants ont laissé des places, vous pouvez même avancer un petit peu. Seigneur notre Dieu, nous sommes tous les trois dans l'eau du baptême. Comme toi, Seigneur, tu as voulu être baptisé également par Jean-Baptiste pour nous montrer l'exemple. Cet exemple, plusieurs d'entre nous l'ont suivi et Alissa, Sophia veulent faire partie de ton royaume, veulent choisir leur camp. Publiquement. Ensuite, comme André l'a dit, c'est un ordre de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, leur expliquant ce que j'ai fait pour eux. Et c'est ce que nous voulons faire cet après-midi. Merci de bénir la nouvelle vie d'Alissa, de Sophia. Merci de toucher nos cœurs aussi, de nous rappeler notre engagement et de donner à certains l'occasion de prendre un engagement dans leur tête ou plus. En tout cas, Seigneur, nous voulons
te remercier pour Alissa, pour Sophia, cet après-midi qui nous convie à cette fête. Amen. Alors Alissa, t'as chanté tout à l'heure plein de choses qui nous touchent, qui t'ont touché, qui font partie de ta vie. Nous voulons les partager avec toi. Et sur l'ordre de Jésus, cet après-midi, je veux te baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. C'est génial, Sophia, de se faire baptiser le même jour que sa sœur. En tout cas, toutes les deux, vous êtes nées dans une famille chrétienne qui vous ont appris des choses depuis 16 ans, 20 ans, bientôt. Et je crois que c'est un avantage certain. Ça vous a évité bien des choses désagréables. Toi aussi, tu as chanté le même chant qu'Alissa, que vous avez choisi ensemble, avec ces paroles tellement fortes. Et Sophia, cet après-midi, je te baptise aussi selon ton vœu le plus cher, selon l'ordre de Jésus-Christ. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je suis Dieu.
Ah, quelle joie. Avoir deux enfants, se donner à Dieu. Quelle joie. Et j'aimerais vous poser la question. Si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Louons, nous te louons. Mais ce n'est pas dit je te loue, hein. Nous te louons. Alors j'aimerais bien demander votre soutien, votre aide, parce que j'aimerais louer Dieu avec vous. Alors, ce que je vous demande, ce n'est pas d'applaudir ni quoi que ce soit, mais dire tout simplement Alléluia. Non, c'est pas comme ça, c'est trop méchant. Avec un petit charme quand même. Alléluia. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Refais alors. 1, 2, 3. Alléluia. Ah, comme il a dit mon fils, cool. On attend que la musique. Regardez ma main. Hein. Nous te louons, notre Seigneur. Je n'entends pas. Nous t'adorons, notre Créateur. Plus fort, je ne vous entends pas bien. À moi maintenant. Oui, tu es le Seigneur. Tu es le Créateur. Tu nous as pardonné. Tu nous as sauvés, nous te louons, notre Seigneur. À vous. Alléluia. Nous t'adorons, notre Créateur. Terana risana vi. Terana li zavavari. À moi maintenant. Ya nau nu tumpuna. Namuru nana, namela nyeluka, na navutana. Niderana risana hari. A vous. Niderana. Lisa va voir. Tu veux voir là, hein? Regarde-moi. Ah, 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 ben. Je vous remercie beaucoup et merci particulièrement aux musiciens.
Je m'en vais. Ma place n'est pas ici. Et je vois le nouveau Jérusalem qui descend du ciel. Veux-tu être mon compagnon de route pour ce voyage-là? Tsitamane. Ande afa tsitamana, yala mini titani tie, fenu aizina tsisya zavana, fenu utanzakani satane. Fafanda luvana yetu, mitani tsiri la zantsetu, misi zayante naina, ande afa. Yendo iri Jerusalem, tanana masinare timisini mauriawa, dosi kia unina fabula mena siva tusu, ilala na midi chao kaisare. Timbahua, Yendu iri Jerusalem, Tanana masinare, Timisini, Mauria, Dosi kia urina, Favula mena, Siva tusu, Nilala namidi chao, Kaisare. Timbahua, Tsitamane, Tsitamane, Tati Athena, Tivula Siti Arena, Miyama Fia Tani Nifuni, Ande Alvijanu Nitsuni. Nitani miasi ambatani, ni ulu natura kizani, ni anisi sala zakyu, andea wizani zakyu. Yendu iri Jerusalem, tanana masinare, timisini mauri yawa, dosi kia unina. Siva tusu, nulala na midi chao kaisare, nu timbahua. Yendu iri Jerusalem, tanana masinare, timisini mauri yawa, dosi kia unina, favula mena, Siva tusu, nilala na midi chao kaisare, nu timbahua, timbahua. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, combien ce moment est très, très touchant pour chacun de nous.
Les deux, elles ont choisi un chemin qui leur a dit que c'est vraiment de valeur, très cher, parce que pour elles, vivre avec Jésus-Christ, c'est pas comme nous avons en train de partager sur cette terre. Alissa, Sophia, je vois bien cet après-midi autour de vous des cousins, des amis, des frères et sœurs. Et je sais très bien qu'ils sont venus, ce n'est pas seulement pour assister à ce que vous avez vous engagé. Mais s'ils sont là, c'est pour prouver qu'ils sont tous de votre côté. Et s'ils sont là, ce n'est pas pour se faire plaisir, pour vous dire tout simplement que, voilà, lors de votre baptême, nous sommes venus, nous croyons sincèrement que ça vous a fait plaisir. Je ne crois pas à ça. Que la décision que vous avez prise, que tout ce que vous avez partagé avec eux, j'aimerais voir un peu tous ceux qui sont cousins, cousines d'Alissa. Alissa, il faut se mettre debout devant eux. Tous les cousins, cousines qui se mettent debout pour voir qu'ils sont là, pour se montrer qu'ils sont bien de votre côté. Qui se mettent debout. Alissa, et Sophia, il faut vous mettre debout là et voir. Il faut pointer par le doigt ici à quelques-uns qui, parmi les cousins, cousines, qui ne se lèvent pas. Parce que leur présence est significative actuellement. Les tontons, les tantines qui se mettent debout. Si vous aimez vraiment Alissa et Sophia, que vous êtes d'accord tous de les accompagner, que ce n'est pas un choix pour leur faire plaisir qui vous a invité. C'est un choix solennel, c'est un choix qui leur touche beaucoup, c'est un choix qui va vous amener aussi auprès de Jésus-Christ. Et à part les cousins, cousines, tontons, tantines, je sais bien qu'il y a des amis qui se lèvent aussi cet après-midi pour montrer que vous êtes du côté d'Alissa et de Sophia. Merci beaucoup. Je sais très bien que vous les aimez beaucoup. C'est pourquoi vous êtes là. Quelle joie d'être ici cet après-midi. Parce que j'aimerais vous raconter quelque chose de réel, une vérité. Parce que vous savez, quand on voyage, il y a toujours des témoignages qu'il faut voir. Un samedi matin, voilà, on était en train de préparer, ou se préparer plutôt pour tenir un culte. Et voici un vieux qui s'amène avec des sacs, 4 sacs. Et qui est ce vieux? Il faut bien regarder le vieux avec des sacs pleins de quelque chose, je ne sais pas. Devant l'église, il a déposé ses 4 sacs. Et vous savez qui est ce monsieur? C'est un grand sorcier. Un grand sorcier. Et je sais, cet après-midi, vous n'êtes pas plus qu'un grand sorcier et vous n'êtes pas moins qu'un grand sorcier.
Mais vous êtes tous enfants de Dieu. Et vous aimeriez tous vivre avec Jésus-Christ. Et vous souhaiterez vivre dans l'éternité. Et c'est que les deux enfants, ces deux jeunes, ont choisi cet après-midi. Elle aimerait que vous soyez avec elle jusque dans l'éternité. Et je crois bien, chers amis, peut-être parfois il y a des hésitations venant du cœur, mais en voyant ce vieux qui est venu, et il est venu me dire, « Pasteur, pasteur, je suis le père de cet enfant qui est déjà dans votre église. » Même son fils n'a pas du tout su que son père allait venir avec ses sacs de fétiches. Tous les gris-gris, il a dit, « Pasteur, je dépose ça devant vous. Je vous demande de brûler tous ces gris-gris, toutes ces fétiches. Mais moi, je donne mon cœur à la place à Jésus. » J'étais très, très touché en voyant la bonne volonté de ce monsieur. Et depuis ces jours, il n'a plus quitté l'église. J'ai appris tout dernièrement, quand j'ai téléphoné à son fils, et ton père, il a dit, malheureusement, il est décédé, mais il n'a pas du tout reculé ni sortir de l'église. Oui, chers amis, si vous aimez partir avec Alissa, je vous demande de venir devant. On va prier pour vous, pour que Dieu agisse en vous. Si vous aimez vraiment Alissa et Sophia, si vous l'aimez vraiment, les aimez vraiment, avancez. Je vais prier pour vous. Prouvez que vous aimeriez partir avec elle dans le ciel, dans la vie éternelle. N'hésitez pas. Avancez. Si vous les aimez, prouvez que Dieu aussi vous aime. Tonton, tantine, ça fait des moments que nous sommes ensemble. Cousin, cousine, ça fait des temps qu'on a partagé. On a écouté cette parole de Dieu. Mais aujourd'hui, montre-le que vous êtes là pour nous soutenir. Vous nous aimez tant. Vous nous donnez la force de rester fidèles et fermes dans cette église de Dieu. Avancez, n'hésitez pas. Il faut s'adonner totalement à Dieu. Accorde à Dieu. Une fois, avant que je prie, j'habitais à l'île de La Réunion et j'arrivais à l'aéroport de Gilo. Ce jour-là, j'étais avec les amis réunionnais ne voulaient pas que je quitte l'île. Mais l'avion était sur le point de partir. Et en ce moment-là, quand j'étais encore en train de parler avec les amis, voilà, j'ai vu de loin que l'escalier qu'on monte dans l'avion commence à se retirer. On a enlevé cet escalier. Ceci dit, je ne pourrais plus rentrer à Madagascar. Je ne pourrais plus, parce que l'escalier a été enlevé. Mais ce jour-là, on a dit, oui, il y a un monsieur qui est encore là, il faut remettre l'escalier. Mais, chers amis, l'avènement de Christ n'apparaît pas deux fois, une seule fois. Et c'est pour toujours. C'est pourquoi il faut prendre la décision aujourd'hui. Il faut prendre la décision aujourd'hui. Chers amis, peut-être vous aimez trop la vie de ce monde. Vous n'aimez pas être avec Sophia et Alissa. Mais peut-être la honte. Mais nous allons prier. On va vous confier entre les mains de Jésus-Christ.
il est le seul qui peut toucher le cœur. Et la clé du cœur ne se trouve pas à l'extérieur. La clé du cœur se trouve à l'intérieur. C'est toi seul qui as la clé. Mais si tu n'ouvres pas, Jésus ne peut pas rentrer dans ton cœur. La clé se trouve à l'intérieur, chers amis. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est pourquoi je vous conduis dans la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est un privilège pour chacun de nous d'être ici cet après-midi, de pouvoir partager cette même grâce que tu as offert à Lisa et à Sophia. Seigneur notre Dieu, combien nous sommes durs de cœur, combien nous sommes égoïstes, mais tu nous aimes encore. Tu aimerais que tous ces gens que tu vois héritent la vie éternelle. Je te demande, Père, de toucher le cœur de chacun afin qu'il t'ouvre et qu'il habite au-dedans de chacun. Béni sois-tu, que ton nom soit glorifié à jamais. Béni tous ceux qui ont répondu à cet appel pour que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui se réalisera aussi pour les autres. Pour tout ce que nous avons offert par cette eau du baptême, va emporter les autres à s'engager aussi et à vivre pleinement en toi, Jésus. Bénis cette Église, bénis tout ce que tu as déjà tracé, bénis les enfants, qu'ils grandissent pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis tous les dirigeants, bénis tout ce que tu as confié la responsabilité d'entretenir tous ces enfants. Béni sois-tu, notre Dieu, et pardonne-nous de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Sophia, Alissa, je pense que vous connaissez un peu toutes ces personnes qui sont devant. Ce sont des amis, pour certains de longue date, pour d'autres récemment, et il y a de la famille aussi. Vous faites partie de ce groupe, STM, Saint-Panathanour à Malagas,
un groupe de jeunes malgaches qui chantent en malgache, mais en français aussi. Donc, nous voulons vous faire ce chant, présenté aussi à toute l'Assemblée, pour dire que la gloire revient à notre Dieu, et vraiment à notre Dieu seul. Qu'avec lui, nous avons la victoire, surtout. Nous avons la victoire sur nos péchés. Et même si nous péchons, le plus important, c'est de revenir à lui. Et de le louer en tout temps. Même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, Dieu nous invite à le louer parce qu'il sait que c'est en le louant qu'on a sa paix et son amour. Sois exalté. Tu règnes.
Safia Alissa, l'Église pour la République est une association obligatoirement déclarée avec son statut et vous aujourd'hui devenez le membre de l'association. Aujourd'hui nous allons faire deux votes. Vu qu'ici il n'y a pas beaucoup de monde de l'Église de Salève, il y aura peut-être peu de gens membres de l'association Église de Salève qui vont lever les mains. Deuxième vote, ce sera pour toute la famille. Donc, s'il vous plaît, tous les membres de l'Église du Salève, est-ce que nous pouvons témoigner la bienvenue à Sophia et à Alissa en levant la main pour leur dire bienvenue dans la famille? Membres de l'Église Salève, levez-vous et regardez votre famille de l'Église de Salève. Voilà, merci beaucoup. Deuxième vote. La famille va au-delà des frontières de l'Église de Salève. Vous tous, les membres de l'Église, je voudrais qu'on puisse tous lever la main pour souhaiter la bienvenue à Sophia et à Alissa dans notre grande famille ici. Merci beaucoup. Regardez bien les mains. C'est la famille, mes chers. Merci beaucoup. Bienvenue dans la famille. Et par la grâce de Dieu, j'espère que vous pourrez compter sur nous tous, comme nous allons compter sur vous pour apporter ce que Dieu a mis dans votre cœur pour chacun de nous. Les cadeaux que je vais vous faire, ce n'est pas des cadeaux parce qu'il va falloir les lire. Et il y a de la lecture, hein. Il y aura un terreau écrite. Mais venez les chercher d'abord. Alors d'abord avec Sophia, et puis après Alissa, quand Sophia est partie à Lyon, on a eu le plaisir d'ouvrir la Bible, d'essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Moi, je n'ai pas fait théologie, donc... J'allais pas leur parler ni grec, ni hébreu, ni chinois. Mais je pense pas que les théologiens le fassent. On a essayé de répondre à des questions, parce que je leur ai dit, quelles sont vos questions? Qu'est-ce qu'il y a qui vous pose problème? Et puis on a ouvert notre Bible, et puis on a fouillé, et on a trouvé des réponses. Mais on n'a pas fini non plus. Sophia, quand elle est allée à Lyon, elle a retrouvé le pasteur Jean-Louis. Elle a dit, Christian m'a raconté des choses, mais peut-être que tu vas me dire autre chose, on ne sait jamais, donne-moi aussi ton idée. Et puis, il y avait aussi Miaku qui a étudié un petit peu avec nous pendant un certain temps, et puis après, elle avait le bac, elle avait d'autres choses à faire, et c'est normal, mais on va recommencer. C'est pas parce qu'on est devenu une nouvelle créature, qu'on a choisi son camp, qu'on a choisi d'avoir le bon passeport, qu'on arrête, au contraire. Il n'est pas question d'arrêter. Alors Sophia ira à Lyon, puis elle continuera peut-être avec Jean-Louis, mais avec Alissa, on a encore des rendez-vous. Et si vous voulez vous joindre au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et puis vous avez vu deux, trois personnes se lever, et puis on va les faire se relever. Ceux qui sont responsables dans leur église, on appelle ça des anciens. Ils ne sont pas forcément vieux, mais levez-vous, s'il vous plaît, qu'on vous repère. Les pasteurs aussi, levez-vous. Les étudiants en théologie, levez-vous. Et puis tous ceux qui ne connaissent pas bien leur Bible et qui ont envie de... Regardez-les, photographiez-les, prenez rendez-vous avec eux, ils se feront un plaisir. Encore cette semaine, il y a une jeune fille qui a dit... Pasteur Daniel, je m'appelle Laetitia et je voudrais... Ok, on se voit, merci. Un baptême sans verset souvenir, ça n'existe pas. Et pour Sophia, j'ai choisi un verset dans 2 Timothée. Toi... Sophia, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr.
Tu sais quels maîtres t'ont appris cela? Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. J'allais pas me tromper sur la couleur. J'ai été baptisé le 6 juillet. J'allais avoir 19 ans. Et pour Alissa, j'ai retrouvé le verset de mon baptême et je vais lui offrir. Dans Proverbe, écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur d'Alissa beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. On dit que certains poissons donnent des ailes. Mais moi, ce qui me donne des ailes aujourd'hui, c'est une telle occasion. C'est un tout petit peu les ailes de l'inspiration, mais surtout les ailes de la joie. Parce que deux enfants de Dieu ont accepté de passer par la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance gage du salut éternel. Alors, Sophia et Alissa, tonton Joué vous a concocté un tout petit message. Voilà.
naître de nouveau. Immense joie au ciel, louange ici-bas. Moment éternel, victoire par la foi. Car aujourd'hui, Sophia, l'univers en est témoin. Tu confirmes ton choix, suivre Jésus, le vrai chemin. De même, Malissa, tu as pris la décision d'avoir Jésus comme roi, sans partage ni concession. Être baptisé pour hériter le ciel, ce n'est pas improvisé de la part de l'Éternel. Un jour, il y a longtemps, tard dans la nuit, un homme très important vient voir Jésus et dit, « Pour vivre éternellement, que dois-je faire, bon maître ?» Jésus répond clairement, « De nouveau, tu dois naître. » Tel est le sens du baptême. D'ailleurs, vous l'avez compris, à quel point Jésus vous aime au prix de sa vie. Mais il ne faut pas oublier que quelqu'un n'est pas content. Il cherche à vous faire chuter, Satan, le vieux serpent. Il va faire miroiter ce monde devant vous, à vos oreilles susurrer, « Suis-moi, je te donne tout. » Devant ce fatal piège, ne cessez pas vos prières. Le Tout-Puissant vous protège, sa parole le fait taire. Maintenant, vous voilà parti pour un voyage sans retour, librement consenti avec Jésus pour toujours. Ce bonheur qui est le vôtre, ne le gardez pas en soi, mais partagez aux autres la bonne nouvelle de la foi. Quand il viendra des cieux, le sublime roi des rois, nous serons nombreux à crier « Alléluia !» Oh, quel bonheur de suivre le Christ, une immense joie, un vrai délice, c'est merveilleux, loin d'être triste. Qu'il nous garde et que Dieu vous bénisse.
si on est tous là, une grande famille, c'est parce que maman est là. Et est-ce que je peux lui demander de se lever? Une brave dame qu'on peut l'applaudir. C'est grâce à elle que nous sommes devenus adventistes. Et son souhait le plus sincère parmi ses 15 enfants, dont une est déjà partie, mais elle attend le retour de Jésus, c'est que ses enfants et ses petits-enfants seront baptisés comme vous deux. Hier, elle m'a dit, j'ai 40 petits-enfants et les 10 sont déjà baptisés, mais que Dieu vraiment puisse travailler encore dans le cœur de ses petits-enfants. Et ses enfants aussi, d'ailleurs, il y a quelques-uns qui ne sont pas encore adventistes. Alors merci maman, merci mon Dieu, et merci encore aussi d'avoir accompagné mon mari qui a joué saxophone, qui a composé ce poème pendant qu'il est dialysé. Vous vous rendez compte? Dieu est bon et la gloire lui revient seule. Amen. Cette cérémonie touche à sa fin et je pense que nos deux petites sœurs ont de multiples raisons de remercier Dieu aujourd'hui, mais nous tous également. Remercier, ce n'est pas seulement faire preuve de politesse. Remercier quand c'est fait du fond du cœur et très sincèrement, cela veut dire que l'on aime la vie et que l'on connaît la source de vie. Alors nous voudrions vous laisser avec une petite histoire d'un jeune homme qui a appris à remercier parce qu'il ne savait pas apprécier avant cela l'existence des roses et qu'il ne savait pas apprécier avant cela ses frères et sœurs de l'Église. Cette histoire a pour toile de fond le baptême de deux jeunes filles, mais l'histoire ne dit pas quel est leur nom. Alors vous pourrez leur donner le nom qui vous convient. Par exemple, Sophia et Alissa. Et le narrateur parle à la première personne, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ça aurait pu être moi, mais ça aurait pu être chacun d'entre nous. Ce matin-là, je me traînais. Je ne voulais rien de particulier, mais je ne voulais pas de ce qu'on me proposait. À peine sorti de chez moi, je regrettais déjà d'avoir quitté mon lit. Je marchais maussade et j'allais chez mon ami le jardinier. Il était à plat ventre devant son parterre de fleurs. Il ne le quittait pas des yeux. « Qu'est-ce qui te fascine comme ça ?» lui demandai-je. « Oh, une rose éclose ce matin, » répondit-il. « J'aime quand le Seigneur fait paraître de nouvelles fleurs. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer ça. »« Et toi, pourquoi as-tu cet air renfrogné ?» Je lui répondis que le lendemain, je devais aller à l'église pour assister au baptême de deux jeunes filles, qu'on m'avait demandé de chanter à cette occasion et que ça me pesait. Que je ne voulais pas le faire et que, d'ailleurs, je ne voulais plus aller à l'église du tout. Je n'en voyais vraiment plus l'intérêt, tous ces problèmes qu'on a avec les uns et les autres. Et puis tout d'abord, à quoi ça sert l'église? À quoi ça sert, me fit mon ami jardinier? Mais à vivre avec nos sœurs et frères dans la foi, bien entendu. Chacun d'eux est comme cette rose que j'admire depuis ce matin, irremplaçable. Comment ça, lui demandai-je? Ce n'est qu'une rose parmi beaucoup d'autres. Regarde-la un peu mieux, prends le temps de l'examiner, relève chacun de ses détails particuliers, tu verras qu'il n'y en a pas deux qui soient semblables. Maintenant, jette un œil sur l'ensemble de mon parterre de roses et tu verras une unité comme il n'en existe nulle part ailleurs. L'Église, c'est un peu la même chose. Le Seigneur plante dans la communauté autant de roses pour en faire une unité
et ceux qui savent regarder prennent plaisir à la contempler. Mais d'un autre côté, chaque rose peut s'épanouir et laisser s'exprimer ses particularités. Ainsi, tu auras toujours quelques bénédictions à retirer de chacune d'elles. C'est pour ça que tu ne devrais pas te priver d'aller au baptême demain. Qui sait ce que tes deux petites sœurs dans la foi pourront t'apprendre sur Dieu? Si tu sais saisir ce moment, ou plutôt si tu parviens à te laisser saisir par celui qui t'a créé, alors tu ne pourras que le remercier d'être là, en compagnie de tes sœurs et de tes frères. Qu'en dis-tu? Je n'en pensais rien de particulier. Je prétextais une course à faire et quittais mon ami pour ne pas avoir à lui répondre. Quel baratin, me disais-je, en partant. En quoi ces belles paroles peuvent me faire dire à quoi sert l'Église? On n'a que des problèmes là-bas. Pour me changer les idées, je décidai de monter au Salève. Pour ceux qui viennent de loin, le Salève, c'est le mont qui est juste là, au-dessus. En marchant, je roulais mon agacement dans ma tête. Vraiment, je ne voulais pas aller à l'église le lendemain. Je montais par le sentier d'Orgebet. Quand je vins à croiser une jeune fille qui portait un petit garçon sur son dos, elle semblait avoir beaucoup de peine à marcher comme ce... Elle semblait avoir beaucoup de peine à marcher comme cela. Mais poursuivait sa route avec persévérance. Je lui proposais mon aide. « Non merci, répondit-elle. Mon petit frère se fait un peu mal et il refusera que quelqu'un d'autre que moi ne le porte. En tout cas, lui dis-je, je te trouve très courageuse. Tu assumes un lourd fardeau. » Elle me lança un regard grave et incrédule à la fois. « Mais ce n'est pas un fardeau, monsieur, rétorqua-t-elle. C'est mon frère. » Je ne sus que répondre et je m'éloignais. Je me disais alors que je continuais de marcher. Son frère est lourd pour elle et lui cause une grande fatigue. Pourtant, ce n'est pas la peine qu'elle prend qui mobilise son cœur, mais ce frère qu'elle ne veut pas laisser derrière elle. Je faisais rouler toujours ces pensées dans mon esprit. Je me souvenais de ce que me disait mon ami le jardinier. Lorsque, arrivé au sommet du Salève, je vis des personnes attroupées. Cela m'intrigua et je m'approchai pour voir. Une mère pleurait en tenant un nourrisson dans ses bras. Tout le monde autour avait l'air émerveillé et heureux. On m'expliqua que les larmes de la mère n'étaient pas de tristesse, mais de joie et de soulagement. Le landau dans lequel se trouvait le bébé avait dévalé une pente pierreuse jusqu'à un précipice, mais qu'il avait été arrêté net par un rocher juste assez gros pour le retenir. Le plus fort dans cette histoire était que le bébé n'avait rien remarqué. Il ne s'était même pas réveillé. Beaucoup évoquaient un miracle. Je regardais la mère et son enfant et fus ému par la joie douloureuse qui entourait de son amour une telle innocence. Mais ce qui me remua véritablement les entrailles, ce fut quand le bébé ouvrit les yeux et posa son regard sur moi. Le sourire qu'il me fit me tira presque des larmes. J'aurais pleuré, je crois, si je n'avais pas été en public. Ce sourire était si lumineux, il était si pur. Il m'atteignait jusqu'au fond de mon être, et mon humeur en fut changée. J'avais l'impression que c'était Dieu lui-même qui me souriait par cet enfant. Je ne pouvais m'empêcher de penser tout à coup que si ce petit enfant n'avait pas été sauvé, on ne sait comment, d'une chute mortelle, jamais je n'aurais pu croiser son regard ni contempler son sourire. À ce moment précis, je ne voulais que remercier Dieu pour avoir préservé la vie de ce bébé. Je voulais le remercier d'exister moi-même pour avoir pu vivre une telle expérience. Je me sentais infiniment proche de ce petit enfant, comme jamais je ne l'avais été de personne. En rentrant chez moi ce soir-là, je repensais à ce qui m'était arrivé, à la jeune fille qui portait son frère, au bébé qui m'avait souri. Les paroles de mon ami jardinier me revinrent à l'esprit, encore une fois, et je me dis que l'Église, ça devrait servir à cela. Nous porter les uns les autres, comme cette petite fille portait son frère, même quand c'est difficile, simplement parce que nous sommes des frères, et accepter que notre Dieu change nos drames en occasion de pleurer de joie. Qu'il fasse naître sur nos lèvres des sourires vrais et purs, et que nos visages en soient illuminés. Ce soir-là, je sus pour la première fois où je voulais aller, et je marchais paisible et joyeux. Le lendemain, je rencontrai de nouveau mon ami jardinier. « Mais où cours-tu comme ça ?» me demanda-t-il. Et je lui répondis, « Je vais à l'église où, aujourd'hui, Dieu fera éclore deux roses. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer ça. » Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, combien de raisons n'avons-nous pas de te remercier ?
pour la vie, pour le mouvement, pour tout ce que tu nous accordes chaque jour, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. Mais aujourd'hui, plus que les autres jours, nous avons deux très bonnes raisons de te remercier. Nous voulons te dire merci, Père, pour Sophia. Nous voulons te dire merci pour Alissa, pour chacune d'elles qui a fait le choix de vivre avec toi, mais de vivre aussi avec sa communauté. Merci, Père, pour tout le chemin déjà qu'elles ont parcouru avec nous. Merci, Père, pour toutes les bénédictions déjà qu'elles nous ont apportées. Veuille nous bénir pour que nous soyons une vraie communauté de frères et de sœurs pour elles. Que nous ne les laissions pas sous prétexte que maintenant leur nom est inscrit sur le registre, mais que toujours nous soyons être présents pour les moments heureux comme pour les moments malheureux. Merci parce que nous savons que par ta grâce, nous pouvons déjà le faire. Et par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque deux personnes se sont faites baptiser, il y aura deux textes de bénédiction. Le premier nous est donné à tous par la plume du prophète Ésaïe. Et il nous parle un petit peu aussi de ce qui se passe quand on donne son cœur à Jésus-Christ. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau, dès maintenant cela germe, ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis façonné dira ma louange. Et voici l'assurance que le Seigneur nous donne par la plume de l'apôtre Jean. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Allons en paix. Amen. Voilà, alors je profite d'avoir le micro pour féliciter Sophia et Alissa de leur choix. Je vous demande de les applaudir. Ça me fait très plaisir et je pense que ça fait plaisir à tous ceux qui sont là et l'église du Salais veut en particulier vous soutenir et vous encourager dans ce moment-là. Alors je les invite à venir et nous allons chanter ensemble afin de nous réjouir dans le nom du Seigneur. Normalement, tous ceux qui s'avancent, ça veut dire que vous pouvez compter sur eux, donc regardez bien leur tête. Thank you.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Nous sommes heureux de passer encore un bon moment avec vous à l'issue de cette cérémonie. La famille, les amis, l'église du Salève vous ont préparé des petits plats. Ne partez pas sans goûter les spécialités d'ici et d'ailleurs. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.